Salut les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, au jour d'aujourd'hui, il fait moins 1. Donc, comme vous voyez, c'est tout blanc. Hein. Bon, c'est pas très propre, mais c'est tout blanc. Donc, parce qu'il fait froid. Et je crois que c'est, si je me trompe pas, la première gelée de cette fin d'année 2017. Ici, en tout cas. Hein, je dis pas que c'est pas le cas chez vous ou d'une saison. Hein, parce que c'est possible. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai gratté ma voiture cette année. Enfin, sur cette fin d'année. Parce que j'ai certainement dû la gratter en début d'année, mais bon, c'était assez loin. Donc, je fais surtout cette vidéo parce que, comment vous dire, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, que j'ai pas mis de vidéo parce que j'en ai fait quelques-unes que je n'ai pas postées, que j'ai même pas montées. Je crois qu'il y en a deux sur Need for Speed, une sur Shift 1, Shift 2, parce que j'ai réussi à réparer mon volant. Voilà. Je l'ai remis comme il faut, il marche très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais fait? J'ai fait aussi deux events que j'ai filmé, fait quelques photos. Pour l'un, j'ai fait pas mal de photos et filmé. Sur l'autre, j'ai fait quasiment que filmer. Donc il faut que je vous poste ça, mais bien monté. Voilà. Donc avec tout en fait. En gros, vidéo tout bordel. Après, que vous dire de plus? Franchement, j'ai réglé aussi mon problème de PC que j'avais depuis un moment. Vous avez peut-être entendu parler comme quoi mon PC redémarrait, etc. etc. J'ai trouvé la cause. Mon Alim était fatiguée, donc elle... comment dire, ne supportait plus bien les changements de résolution pendant quand on joue aux jeux vidéo et tout. Donc elle redémarrait, le PC redémarrait comme ça, tranquille, mimide et tout. Donc voilà, donc j'ai trouvé l'informaticien à qui je l'ai confié plusieurs fois, qui trouvait pas au début, a réussi à trouver la panne, l'a réparé. Ça m'a coûté bonbon, mais bon, c'est ce qu'il faut pour pouvoir jouer à des bons jeux vidéo. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ça. Donc, il y a aussi un autre truc dont je vous parle assez vite parce que ma caméra a plus beaucoup de batterie. Et parce que j'ai déjà fait cette vidéo, enfin, j'ai déjà tourné. Sauf que j'avais pas le micro. Le micro était débranché. Donc, voilà. Voilà aussi. Donc voilà. Par contre, maintenant, depuis que j'ai changé mon alimentation, j'ai l'impression d'avoir des problèmes liés à ça. Des problèmes du genre carte son qui grésille sans arrêt, en temps dans le casque que dans le micro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma carte réseau qu'il faut l'éteindre et la rallumer pour que ça marche bien. Après, c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye si je peux activer, désactiver ma carte son pour que ça marche. Peut-être que ce serait la bonne technique, hein, j'en sais rien, j'ai pas essayé ça par contre. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression de laguer dessus, d'avoir des pshhh sans arrêt sur ma carte son. Et que ce soit autant dans le micro que dans le casque. Et ça peut pas venir de mon casque, il est tout neuf quoi. Et puis ça le fait pas quand je le branche sur ma carte mère. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc après, je voulais parler aussi d'un autre jeu que je viens d'acquérir. Un peu cher, mais je l'aime bien. Perso, y a beaucoup de défauts comme sur certains autres jeux. Comme The Crew, comme pour l'instant aussi Forza. Forza, j'ai quelques défauts à leur reprocher. Mais après, ça vient de moi, parce que j'ai l'impression que d'autres personnes n'ont pas ce défaut. C'est un peu spécial. Donc voilà. Donc sur Forza, pour l'instant, je peux pas refaire de vidéo sur Forza, parce que tout simplement, mon Windows Store a disparu. Je sais pas où il est passé, mais mon Windows Store a disparu, comme par magie, et je sais pas comment le retrouver. J'ai essayé de faire des manipulations que sur internet ils donnent pour pouvoir remettre le Windows Store, le désinstaller et le réinstaller, etc. etc. Et je n'ai toujours rien. En fait, je vois l'icône dans mon menu démarrer qui me dit que il est là, mais il n'est pas là. Voilà.
etc. etc. Bon, y a pas mal de choses comme ça. Donc, il y a aussi un autre jeu que je vais peut-être faire en vidéo. C'est du Need for Speed Payback. Donc, avec beaucoup de défauts. Mais moi, je l'aime bien. Franchement, il a une bonne histoire. Le gameplay, bon. Après, le gameplay, c'est sûr que c'est pas les Need for Speed d'antan ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que EA a perdu la recette pour faire des bons jeux, en fait. C'est pas pour être méchant, mais c'est vrai que depuis Need for Speed Most Wanted, Underground 2, là, ça, c'était l'âge d'or de Need for Speed. Après, Pro Street, c'était un bon jeu aussi dans sa catégorie, donc plutôt simulation, on va dire. Mais après, non. Après, Shift était pas mal aussi. Shift 2 était pas mal, mais ah, c'était plus un Need for Speed, quoi. Même Pro Street, c'est peu. C'est vrai que Pro Street ressemble plus à un Need for Speed que Shift, personnellement. Mais bon, on va pas faire un débat sur les Need for Speed. C'est pas le but de cette vidéo. Donc c'est vraiment pour vous dire que y a de grandes chances qu'il y ait des vidéos qui reviennent sur des events, sur des pas mal de trucs que j'ai fait, qu'il faut que je monte. Et après, normalement, c'est bon. Ça revient. Et donc voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Je vous dis ciao, ciao.